Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. The Lord who we serve is a great God. Le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Jesus in you, Jésus en vous, the hope of glory, l'espoir de la gloire. He that is in you, celui qui est en vous, is greater than he that is in the world. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Affliction shall never come a second time. L'affliction ne viendra pas une seconde fois. The Lord will deliver you. Le Seigneur vous en délivrera. In all your afflictions, dans toutes vos afflictions. The garment of affliction, le manteau d'affliction. That the devil has placed over your life, que le diable a placé sur vos vies. To bring shame and reproach, afin d'amener la honte et le reproche. La moquerie is removed today, est enlevée aujourd'hui. In the name of Jesus, au nom de Jésus. Welcome to this platform. Bienvenue à cette plateforme. Like our Facebook and share to your friends. Aimez notre page Facebook et partagez-le à and vos also amis. Subscribe to our YouTube. Également, abonnez-vous à notre page the YouTube. Number on the screen, le numéro sur l'écran, is our WhatsApp number, et notre numéro WhatsApp. You can write us, vous pouvez nous écrire. Or you can send your requests, vous pouvez envoyer vos requêtes, suggestions, vos suggestions. Or whatever you think, ou tout ce que vous pensez que nous puissions savoir. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Now, this week, alors cette semaine, nous prions on a series of prayers sur une série de prières that I titled, que j'ai intitulée Breaking the garment, Briser le manteau of affliction. D'affliction. And we have seen the word of God, et nous avons vu la parole de Dieu Nahum, chapter 1, verse 9, dans Nahum 1, verset, that affliction verset 9 will never come a second, que l'affliction ne viendra pas une seconde fois. In Psalm 34, verse 19, dans Psaume 39 verset 34 verse 19. 34 verset 19. The Bible says, la Bible there are many afflictions of the righteous. Il y a plusieurs afflictions du juste. But the Lord will deliver him. Mais le Seigneur lui en délivrera en tout. I believe the word of God. Je crois en la parole de Dieu. From Mount Zion, car du Mont Sion, there will be deliverance. Il y aura la délivrance. There shall be holiness. Il y aura la sainteté. And the house of Jacob, et la maison de Jacob, shall possess their possession. Possédera sa possession. Let us pray. Heavenly Father, prions, Père céleste, thank you for this privilege. Nous voulons te dire merci pour ce privilège. Your people in prayer this de diriger ton peuple dans la prière ce matin. I pray that no matter where the continent where they're watching from, je prie que peu importe le continent d'où ils nous regardent, that affliction and the garment of affliction will be removed. Cette affliction et le manteau d'affliction sur leur vie soient ôtés au nom de Jésus. Les blocages et limitations, les embargos placés sur leur vie, sur leur santé, curses of the devil, les malédictions de l'ennemi, I destroy in the name of the Lord. Je les détruis au nom de Jésus. I pray for divine visitation. Je prie pour la visitation divine. Yes, that you will remove, oui, the reproach que tu of your enlèves people. Le reproche de ton peuple. Change their weeping into rejoice. Change leurs pleurs en réjouissance. As they go out the today, alors qu'ils sortent aujourd'hui, qu'ils soient bénis, alors revenus, qu'ils soient bénis. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Amen. Now, amen. Briefly, we're going to see the effects of affliction. Alors brièvement, nous allons voir les effets de l'affliction. And the types of affliction. Et le type d'affliction. Amen. Amen. All right. Now, affliction, l'affliction has no respect for anyone. N'a pas de respect pour quiconque. Has no respect. N'a pas de respect. That's number one. C'est le numéro un. It can come at any time. Ça peut venir à tout moment. Often it comes suddenly. Souvent ça vient and soudainement. When you don't expect them, et lorsqu'on ne s'attend pas à cela. You begin to go down. Tu commences à aller your en bas. Business begin to struggle. Tes affaires commencent your marriage à lutter. Begin to struggle. Ton mariage commence your à lutter. Health begin to struggle. Ta santé lutte. That's an affliction. Il y a une affliction. Number three, numéro 3. Friends may abandon you. Les amis peuvent t'abandonner. Even those that you trusted, même ceux en qui tu avais confiance, because of your affliction, à cause de ton affliction. Number four, numéro 4, your level of education, ton niveau d'éducation, is relevant when it comes to affliction, est relevé lorsqu'il is irrelevant. n'est pas bon lorsqu'il y a une affliction. It's useless when there's affliction. C'est inutile lorsqu'il y a une affliction. Number five, numéro 5, money and wealth cannot help you. L'argent et les richesses ne peuvent t'aider. Hey, that's dangerous. C'est dangereux. That's why you need to fight it. C'est pour ça que tu dois le lutter. Okay. Okay. Now, in number six. Numéro 6. Your riches will be turned to poverty. Ta richesse peut être changée en pauvreté. If you don't fight this spirit. Si tu ne combats pas cet esprit. Amen. Amen. What you need in this time is to draw closer to God. Ce que vous avez besoin pendant cette période, c'est de vous rapprocher proche de don't Dieu. Don't trust in your chariots. Ne mettez pas vos confiances en vos chars. Don't trust in your education. Ne mettez pas vos confiances en don't vos études. Don't trust in your connection. Ne mettez pas vos confiances trust en vos connexions. God. Faites confiance à Dieu.
Dieu. To deliver you. Afin qu'il vous délivre. Now there are many types of affliction. Maintenant, il y a plusieurs types ou genres d'affliction. Number one. Numéro un. Inherited affliction. Les afflictions héritées. Inherited affliction. Les afflictions héritées. For example, the generation of Gehazi. Par exemple, la génération de Gehazi. And generation of Joab. Et la génération de Joab. Inherited affliction. Ont hérité des afflictions. Because of the character of their parents. À cause du caractère de leurs parents. Now let's take this prayer. Alors prenons cette prière. Say my father, my God. Dis mon père et mon Dieu. Every problem. Tout problème. That destroy my parents. Qui ont détruit mes parents. I want to destroy me. Et qui veulent me détruire. I release myself. Je me relâche. Right now. Maintenant. From those problems. De ces problèmes. And I command them. Et je les commande. To go. De partir. Right now. Maintenant. Oh you garment. Oh vous manteau. Of affliction over my life. Sur ma vie. I destroy you. Je te détruis. I lose myself. Je me libère. From ancestral affliction. Des afflictions ancestrales. Inherited affliction. Des afflictions héritées. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I have Jesus. J'ai Jésus. As my Lord. Comme mon Seigneur. He is my inheritance. Il est mon héritage. Every other inheritance. Tout autre héritage. That is not of Jesus. Qui n'est pas de Jésus. I destroy. Je l'ai détruit. In the name of our Lord. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Now number two. Alors numéro 2. Personal yokes and affliction. Les jougs personnels et afflictions. It's a kind of affliction. C'est un genre d'affliction. Number three. Numéro 3. Yoke affliction. Coming from evil covenant and curses. Les afflictions venant des alliances maléfiques et des malédictions. You need to fight it. Vous devez les combattre. Say my father, my Dis mon père et mon Dieu. Every affliction. Toute affliction. That came from covenants. Qui est venue des alliances et des malédictions. Over my life. Sur ma vie. I destroy them. Je les détruis. I break them. Je les brise. I separate myself. Je me sépare. From them right now. Au nom de In Jésus. The name of our Lord Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Number four. Numéro 4. In repercussion of unconfessed sin. Une répercussion de péché non confessé. Compassion, that is the result of unconfessed. Le résultat, la répercussion de péché non confessé. It's a kind of affliction. C'est un genre d'affliction. Amen. Amen. Number five. Numéro 5. If you come from an evil family. Si vous venez d'une famille maléfique, there will be affliction. Il y aura des afflictions. They don't know Christ. Ils connaissent pas Christ. They practice what they want. Ils pratiquent ce qu'ils veulent. That can bring an affliction. Cela peut apporter des afflictions. Because evil spirits, parce que les esprits maléfiques, we have access to your life, auront accès à votre vie. Hallelujah. Hallelujah. Number six. Numéro 6. Wrong inherited foundation. Un héritage mal hérité. Foundation et mal basé. Foundation. Une fondation mal basée. That you inherited, dont vous avez hérité, can cause affliction. Peut poser des afflictions. In Psalm 11, verse 3, dans Psaume 11, verset 3, the Bible says, if the foundation be destroyed, what will the righteous do? La Bible dit, si la fondation est détruite, que fera le juste? Okay. Okay. Number 7. Numéro 7. Unbroken altars and dedications. Des autels non brisés et des consécrations. It's a type of affliction. C'est un type d'affliction. Okay. Number 8. Okay. Numéro 8. Transferred affliction. Des afflictions transférées. Number 9. Numéro 9. Spiritual coverage. La couverture spirituelle. In a nation. Dans une nation. In an environment. Dans un environnement. In a quartier. Dans un quartier. In Isaiah chapter 25. Dans Ésaïe 29. Verset 7. The Bible says there's a covering the nation. La Bible dit il y a une couverture qui couvre la nation. That have made the people not to rise. Qui a fait que le peuple ne puisse pas se lever. We are going to destroy. Nous allons les détruire. Amen. Amen. Another, the last one, number 10. Le dernier numéro 10. Is yoke of association. C'est le joug d'association. It's an affliction. C'est un genre d'affliction. Amen. Amen. So we are going to destroy this thing. Nous allons détruire toutes ces choses. Say my father, my Dis God, mon père et mon Dieu. Anything in my foundation. Toutes choses dans ma fondation. That have not permitted me to lift up my head. Qui ne m'a pas permis d'élever ma tête. In the name of our Lord. Au nom de Jésus. Today I destroy. Aujourd'hui je les détruis. In the name of our Lord. Au nom de Jésus. I destroy them. Je les détruis. In the name of our Lord. Au nom puissant de Jésus. Every covenant. Toute alliance. That I entered into. Dans lesquelles je suis rentré. Of my father, my brother, my mothers entered into for dans lesquels mon père, ma mère sont rentrés pour I moi. Break them today. Je les brise aujourd'hui. I break them today. Je les brise aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every altar. Tout autel. In my life. Dans ma vie. Done by my parents. Fait par mes parents. My ancestors. Par mes ancêtres. Knowingly or unknowingly.
connu ou inconnu. Today, in the name of Jesus, à partir d'aujourd'hui, I break and I set myself free. Je les détruis et je m'en libère. In the name of our Lord, au nom de Jésus. Child of God, if you remember, enfant de Dieu, si tu vous souvenez, en Juges 6, what limited Gideon, ce qui a limité Gédéon, the affliction of the author of the father, c'est l'affliction de l'autel de son père. Until he destroyed it, jusqu'à ce qu'il les détruise, he could not enter into a new dimension of life. Il ne pouvait pas rentrer dans une nouvelle dimension de la vie. So every broken altar, alors tout autel non brisé, that is still speaking, qui parle encore, with the voice of affliction, avec la voix d'affliction, over your life, contre votre vie, over your finance, contre vos finances, contre votre your ministère, health, votre santé, your finance, vos your finances, marriage, vos mariages, your education, vos études, I destroy. Je les détruis. You are brilliant, but you're not passing your vous êtes brillant, mais vous ne passez pas vos examens. There's an affliction. Une affliction. Father, in the name of God, Père, au nom de Jésus, whosoever, quiconque that is struggling in the area of education, est en train de lutter dans le domaine des études, that have failed more than three times, qui a échoué plus de trois fois, I destroy. Je les détruis. In the name of the Lord, au nom de Jésus. I separate that person. Je sépare cette personne right now, maintenant, from that affliction, de cette affliction. For affliction will never come. L'affliction ne viendra a pas time, une seconde fois. I break that altar, je brise cet autel. That dedication, je brise cette consécration faite sur lui. I destroy them, je les détruis. And I separate that person, je sépare cette right personne now, maintenant, in the name of the Lord, au nom de Jésus. I command your prosperity, je commande à votre prospérité, your blessing, to à votre bénédiction de commencer à every inherited affliction, toute affliction héritée, and every covering you, et toute couverture qui vous couvre, from your nation, de votre from nation, your village, de votre village, from your cate, de votre quartier, I release fire, je relâche le feu, to consume them, afin de les I consumer, you, je vous libère, right now, maintenant, from the crown of your head, depuis votre to tête, the sole of your feet, jusqu'à votre pied, I declare your freedom, je déclare votre liberté, your emancipation, je déclare votre émancipation, I declare your joy, je déclare your votre peace, joie, votre votre prospérité. From today, à partir d'aujourd'hui, vous allez prospérer. Vous serez favorisé. The work of your hands will prosper. L'œuvre de vos mains vont prospérer. Vos sorties seront bénies. Au nom de Jésus. Every limitation, toute limitation, stagnation dans vos vies sont détruites. Right now, maintenant, recevez la percée. Recevez le succès. Recevez la prospérité. Recevez votre mariage. Recevez votre succès. Recevez what God has released tout ce que Dieu a relâché in the name of Jesus, au nom de Jésus. Every association, toute association that has become a yoke, qui est devenue un joug, that is making affliction to speak, qui cause, qui fait que les afflictions parlent, I break it right, je les brise maintenant. I lose you right, je vous en libère in maintenant. The name of the Lord Jesus, au nom de Jésus. You will do well, vous ferez du bien. You will do well, vous ferez bien. This week, cette semaine, your testimony will come, votre témoignage your arrive, visitation will come, votre visitation the Lord will bless you, le Seigneur vous bénira. In the name of the Lord, au nom de Jésus, you are blessed, vous êtes béni, with the blessing of heaven and les bénédictions du ciel et de la terre. In the name of the Lord, au nom du Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Merci, Père. Every closed heaven, tout ciel fermé, I command open heaven, je commande un ciel ouvert. Let the resources of heaven que les ressources du ciel soient relâchées right now, maintenant. In the name of the Lord, au nom du Seigneur Jésus. Child of God, you are blessed. Enfant de Dieu, vous êtes béni. In the name of Jesus, au nom de Jésus, I bless you, je vous bénis, and I declare you are blessed, et je déclare que vous êtes béni. Affliction will never come a second. L'affliction time ne viendra pas une seconde fois. Go and enjoy life. Allez et vous réjouissez-vous de la God vie. Bless you. Que Dieu vous bénisse. In Jesus, au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. In Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Louange au Seigneur.